À propos de, de ces questions de, 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 de symbolisme, parce que c'est un, un truc qui, effectivement, dans tout mon travail sur les rituels, pour la plupart, euh, le symbolisme, toute la question de la, de la, de, de, du sens symbolique qu'on qu peut reconnaître dans certains éléments de, de, inclus dans le rituel, est très minoré euh, en faveur des, des formes. Euh, disons propres à des interactions. C'est un parti pris interactif. Euh, grosso modo, l'idée est fondée sur euh, euh, le constat, pour moi, qui est que le, pff, non, c'est un préjugé. C'est que la, la, la base de la réalité, elle est plutôt euh, formés non pas par des représentations, mais par des relations, et notamment des relations réalisées au cours d'interactions. De, Donc des relations pas conceptuelles, mais vraiment animées par euh, l'affectivité, la responsabilité, le, je qu'on appelle en, en français l'accountability, la, euh, face à l'autre, l'adaptabilité, euh, l'intention. tous ces éléments-là euh, sont structurants, disons, et pas simplement les fourritures euh, en gros. Um, et que du coup, s'il y avait des, <coughs> des contraintes euh, qui pesaient sur la, la vie en société et qui, lui, et qui permettaient d'y apprendre des, certains éléments de, de structure, c'était plutôt de ce côté-là et pas au niveau des représentations. Et que les représentations étaient beaucoup plus déliées, indéterminées, beaucoup plus floues et variables et, et compagnie, du coup... Ce n'est pas tellement là-dessus, d'après ce euh, préjugé-là, qu'il qui convient de regarder pour retrouver des constantes. Euh, D'autant plus que les représentations étaient tellement euh, appréhendées par, euh, par les ethnologues avec le filtre d'une modélisation euh, implicitement linguistique euh, et que le, le langage ne m'a jamais beaucoup plu comme, comme matière euh, à travailler. Que moi, je, je laissais plutôt de, de côté toutes ces questions de, de symbolisme. Mais <coughs> il y a eu certains travaux euh, où je me suis, je me suis amusé quoi, à, à, me, à me lancer là-dedans, et, et, et dont, euh, dont un euh, travail assez, assez, assez tôt, quoi, euh, qui était sur les lapins et sur le, le, le fait que le, la mention du mot lapin euh, était proscrite euh, sur les bateaux. Euh, non seulement en Bretagne, mais dans toute l'Atlantique Nord. Et, et, et j'ai pu, pu repérer cette sorte d'interdit. Il, il y a des interdits, euh, d'autres interdits propres à la marine. Euh, mais disons, pour l'Atlantique Nord, c'était question du lapin, c'était vraiment quelque chose qui est constant. Donc ça, ça m'intriguait beaucoup. Et je me suis mis à travailler là-dessus, euh, vraiment dans la, la lignée un peu des folkloristes. Euh, du du, du 19e, c'est-à-dire, euh, ouais. euh, et, et c'était ça mes sources principales, et là j'ai trouvé des trucs merveilleux, et donc je suis tombé amoureux des lapins. Ces animaux qui sont extraordinaires, qui, qui, qui mangent leur propre merde, parce qu'en fait c'est des ruminants, mais ils n'ont pas de deuxième ventre, du coup en fait le, ils repassent une deuxième fois, donc c'est nous leur deuxième ventre, quoi. C'est extraordinaire. Euh, c'est des, des animaux dont on pensait pendant longtemps. Euh, qui changeait de sexe, soit tous les sept ans, soit régulièrement comme ça, euh, tous les années. Euh, parce qu'en fait, euh, tout en étant très, comment dire, devenu de l'image consacrée de la sexualité un peu débridée, euh, euh, en fait, c'est relativement difficile. D'identifier de, 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 l'appartenance la, la, la euh, sexuelle des, des lapins. Et, et tout petit, il faut des vrais pros, quoi, euh, pour, pour, pour le faire. Du coup, il y avait cette sorte de. de c'est lapins, lapin, c'est assez curieux. Moi, c'est un peu. Bon, en tout cas, il y a plein de choses dans les lapins qui m'ont totalement emballé. Et du coup, je me suis mis à, à essayer de, de, de trouver un raisonnement qui rendait compte de euh, cette. Euh, prohibition de la mention du, du, du lapin. Donc, il n'y avait pas de lapin à bord, mais c'est surtout le mot mentionné, le mot de lapin. Et tous ces gens-là, et dont mon territoire était surtout les Nor Normandies, euh, Bretagne, euh, élèvent des lapins, évidemment à terre. Ils ont tous des clapiers, ils, ils mangent du lapin, c'est aucun problème. Du coup, ça devenait d'autant plus intéressant, et c'est quelque chose qui est très prégnant euh, à un moment donné. Euh, oh, comment s'appelle-t-il? qui a, a travaillé, ah, euh, qui est allé, l'ethnologue qui a travaillé en Bretagne, qui ensuite est parti dans les histoires financières, euh, Jorion. Donc Jorion a, a constaté aussi euh, qu'il y qui a cet interdit, et que dans les courses euh, transatlantiques, il euh, y a toujours des sortes de gens qui jettent des lapins, les peaux de lapins sur les, uns et les autres, ou qui mentionnent... Le... Donc euh, je me souviens, il y avait tout un truc sur la marine marchande euh, qui, qui, qui servait donc du lapin. À, à bord, mais c'était appelé la viande en sauce, jamais c'était lapin, et, et, et en anglais aussi, même chose, c'est jamais rabbit, c'est the furry one, ou le neveu du lièvre, il bon, ben, 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 y, y a tout un de trucs de, de contourner, qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc j'ai fini par, tout, par construire, parce qu'il fallait construire à partir d'éléments du moyen-âge, des témoignages, parce que toutes les explications que me donnaient de les intéresser étaient totalement euh, rocambolesques quoi, c'était soit les lapins allaient se démultipliaient, euh, le bateau, soit il allait manger le coq, soit... ou des trucs totalement absurdes du genre que les lapins ils creusaient dans des, dans des falaises et parfois les bateaux y passaient à côté des falaises du coup le <tousse> <tout>, tombait, <tousse> c'est totalement absurde. Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, moi, j'avais le schéma que j'avais fait, c'était un schéma un peu lié à la procréation, et que c'était le fait que les marins avaient tout un régime d'accentuation de la sexualité, notamment avec des femmes dans chaque port et des trucs comme ça, et puis il y avait plein de choses sur le bateau qui étaient des, des références aux appareils génitaux les uns des autres. Donc, la sexualité était très présente. Mais la procréativité, non. C'est-à-dire que sexualité, oui, mais sans procréation. Et que euh, là, ça devenait intéressant euh, parce que les lapins, précisément, étaient des, des animaux dont la sexualité et la procréation étaient, étaient indissociables, étaient, étaient implicables. Et ça avait comme, comme curieuse corollaire que les genres étaient moins distinguables. C'est-à-dire que comme si, en fait, la procréativité euh, prenait le dessus, en quelque sorte, sur ce que la, 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 la sexualité euh, séparait. Bon, il y avait un truc un peu... et que du coup, ça troublait, en fait. Et, et, et grosso modo, l'argument était euh, renforcé par l'interdiction aussi pour les lapins dans les mines, euh, avec ce même raisonnement, c'est-à-dire que Là aussi, on pouvait euh, les, le bois, les, ils mangent le bois. Mais en gros, l'idée était que les lapins euh, dans les mines, comme dans la mer, pouvaient occasionner le fait que l'environnement devenait euh, mortifère, quoi. Soit la mine se collapsait, soit la, la mer rentrait dans, la, dans le bateau, euh, et du coup, il y, y avait une sorte d'étrange truc entre entre l'environnement et, et, et nous qui étions dans l'environnement, dans une sorte de petite bulle, un coq comme ça. Bon, il y avait, et les lapins mettaient en cause ce truc-là. Bon, c'est un peu compliqué comme argument, mais en gros, l'idée était que euh, l'activité la, euh, productive dans un environnement précaire comme la mer était difficile parce que cet environnement est parfois est euh, virtuellement à la fois un, un sort d'antagoniste, un partenaire avec lequel on doit négocier, et ad, en même temps, il est un environnement qui nous englobe. Quoi. Et euh, le problème, c'est que si les deux sont comprésents en même temps, s'il si est antagoniste qui nous englobe, là, on est mort. On est foutu. Et que du coup, c'était très important d'avoir cette sorte de... de, de et, et le lapin euh, était une sorte de d'expression de, de la convergence de ces deux trucs et du coup je les lié à la sexualité incestueuse où le rapport avec la mère mother euh, était à la fois en tant que mère elle était à la fois l'environnement et en même temps un partenaire sexuel éventuel et un antagoniste et du coup les deux ensemble ça faisait l'inceste et que les grosso modo l'équivalent dans le truc de productive, était la présence de ces sortes de, de lapins. Donc l'idée était que euh, l'activité productive en mer se devait de séparer sexualité et procréation, euh, mais aussi dans d'autres situations comme euh, le braconnage, par exemple, ou dans les mines. Ou, et, et, et du coup, l'idée, c'était cette, cette histoire de, de, de la poursuite d'activités productives en milieu risqué faisait surgir des, des prohibitions euh, mais qui, en fait, gardaient séparés des trucs et qui permettaient aux hommes de, de continuer. Je crois qu'on peut faire un lien avec les trucs qu'avait fait Françoise Donabelle sur, les, euh, sur les, les centrales nucléaires. Parce qu'elle a fait tout un truc sur les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires et, et combien, il, il, comment ils il, il gèrent, il gère en fait, le risque. Alors, ce pas tout à fait la même chose, mais il y a des trucs très intéressants. C'est une des choses qui ressort de son travail, c'est combien l'irradiation les, les est virilisant. Ouais, moi, j'ai mon petit badge là, et ben, ouais, moi, moi j'en je, 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 prends des, des rades. Hein, moi. Ouais. Euh, mais et, mais la, la, la contamination est av, 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 avalisante, ça, 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 ça rend ville je suis contaminé, c'est ronge, c'est cancéreux. Donc y a, je, je crois qu'il y a pas mal de travail à faire sur toutes ces sortes de, de, de résonances symboliques, euh, cette dimension symbolique du, du, du travail productif. Mais bon, voici mon problème. Et, et par la suite, j'ai continué, mais je n'ai jamais publié, sur les, les lièvres, parce que les lièvres sont tout un autre euh, animal. Euh, et, et ils sont très assimilés au, au, dans la tradition européenne aux sorciers. Euh, et il y a plein d'histoires euh, en, bon, en France, mais aussi en Angleterre, au Cornwall et en Cornouaille, en Écosse et en, en Irlande, des, des sorcières qui, se, qui prennent la forme de lièvre, notamment pour sucer le lait des vaches. Quelqu'un vient, bang, le blesse. On voit le lièvre qui saute dans une fenêtre, dans une maison. On roule la fenêtre, et il y a la vieille mémé qui est là avec, avec sa blessure. Bon, il y, y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment intéressant. Et, et les, 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 oui, mais les, les oreilles comme des sortes de... de euh, comment ça s'appelle? Les amplers. Des, des... Oui, oui les, <laughs> les trucs là. Comme ça. <laughs> bon, euh, et, et, et ça va un peu loin parce que tout ça, c'est lié, en tout cas dans mon esprit, à cette idée de cette sorte de système euh, de physis euh, où, en fait, les, les, la colonne vertébrale, euh, le pénis, euh, le cerveau, c'est tout un sorte de truc de fécondité masculine, gna gna, gna, avec l'idée que ben, si c'est bloqué en bas, par, par exemple, euh, le, 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 le mari trompé, ben ça, ça prend la forme euh, qui, qui sort en haut. Et, 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 le, et le lapin, est, et, et, dont les dents ne cessent de pousser, et le lièvre, dont les dents ne cessent de pousser, est une sorte d'expression de, de ce truc-là. Bon, je, je suis parti sur les trucs de cerveau. J'ai un merveilleux truc avec les haricots. Parce que, encore, euh, comment dire, le, 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 la, 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 la fissure des haricots, c il y avait un conte merveilleux sur le fait que. Euh, non parce que le fissure des haricots est lié d'ailleurs c'est un truc qu'avait repéré lévi à, à au bec de lièvre cette sorte de, de, de division qui commence que en fait les chats ont aussi mais bon euh, pour une raison on a associé le lièvre que qu'est-ce que c'est qu -ce que cette bon très très compliqué j'ai laissé tomber ça j'ai toujours des notes. Un jour, peut-être, je, je vais. Ma femme est persuadée que ma retraite doit prendre la forme de la production de très beaux bouquins sur les lagomorphes. Mais bon, ok, on va, on va voir ça. Mais mon problème, c'était que le schéma que j'avais élaboré, ce grand truc sur la, pro, la procréation, la détermination sexuelle des lapins, tout comme ça, que, auquel ça marche. Vraiment, ça marche. Ça, 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 ça forme, une, disons, une grille d'interprétation. Qui, qui, euh, qui, qui est viable euh, pour comprendre ces interdits est totalement absent des propos des gens qui vivent ça. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un pourquoi il ne dit pas le de bon lapin à bord, lui, il dit Ben bah oui, une fois j'étais petit, j'ai dit ça, mon frère aîné m'a donné un coup, euh, pour me dire Tu dis jamais ça Ben non, ben moi je dis jamais ça. Hein. Point. Donc il y avait une sorte d'écart pratiquement incommensurable entre cette euh, chaîne explicative structurelle et le raisonnement immédiat qui, qui présidait à, à, à une pratique de ne pas dire. Et j'ai jamais su faire le lien. Euh, et, et, et en fait, par la suite, j'ai plutôt misé là, plutôt que là. Mais euh, c'est vrai que les deux sont là, et c'est absolument pas évident. C'est absolument pas évident. Euh, et c'est, comment dire, les gens qui sont là, ils, ils, sont, ils trouvent ça rigolo, ils ne sont pas à contre, mais c'est évident que ce n'est pas en raison de ce raisonnement-là qu'eux, ils ont mis en œuvre une pratique. Donc bon. Donc tout ça pour dire que le côté symbolique, je, je l'aime bien, mais je l'ai plutôt laissé, laissé de côté, quoi. De même, dans la parenté, j'ai plutôt laissé de côté la terminologie. C'est vraiment un aspect de la parenté qui me barbe, non plus finir, parce que j'ai du mal à y croire, en gros, que ce que c'est… De ce mon terrain, la terminologie était autant là pour s'aimer la confusion dans les relations que pour éclaircir les choses et bien repartir les catégories, simplement, ça ne marche pas comme ça. Du coup, euh, ensemble avec un certain réticence devant les modélisations qui s'inspirent de la, de, de la, du langage, euh, les terminologies, j'ai un peu laissé passer, un peu, un peu laissé de côté. Et du coup, euh, pour les questions de, de, de rituel, euh, qui, qui, qui a beaucoup dominé donc, ma, ma, ma réflexion, euh, euh, je suis plutôt... Euh, continuer dans la voie euh, qu'on avait esquissée une première fois et développée pas mal avec, avec Carlo, c'est vrai. Et puis ensuite, j'ai développé mes propres, mes propres choses à partir de, 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 de cette orientation-là, et qui, qui consiste essentiellement à, à miser sur l'aptitude structurante des interactions interpersonnelles mais euh, dont la, la, la latitude est très réduite euh, dans le cadre de pratiques rituelles, et qui fait qu'il euh, y a des contraintes et, pour une systématisation des interactions dans le cadre de, de pratiques rituelles euh, qui est beaucoup plus grande que euh, les interactions euh, quotidiennes euh, dans lesquelles il y a une négociation d'indétermination qui, qui, qui est qui est constitutive en fait de l'efficacité des interactions ordinaires. Ça existe dans les interactions rituelles, il y a toujours de, de l'improvisation, on fait des choses, mais ce n'est pas cette négociation et cette improvisation qui est constitutive de sa qualité spécifique de rituel. Et que du coup, ce pas ça, ce pas là-dessus que je vais, je vais trouver. Du coup, ma tendance a toujours été, et c'est une limitation, de de travailler sur ces secteurs, ces domaines de, de la vie, euh, un tout petit peu euh, euh, spécial. Euh, C'est-à-dire que euh, la vie quotidienne, pour moi, c'est trop complexe. <laughs> je ne suis, suis pas sûr de pouvoir dire autre chose que... Euh, je ne sais pas. Moi, je moi, moi, n'ai pas vraiment les outillages. Euh, le, encore une fois, le les réseaux de parenté, <laughs> le réseau de mariage, j'ai essayé la parenté. Mais en vrai, euh, surtout dans ces questions un peu euh, de pratique, c'est dur. C est, c est, bon. Du coup, ma, ma, ma tendance est plutôt, euh, ma stratégie est plutôt de dire telle ou telle situation ou telle ou telle pratique. Euh, qui ne reçoit pas nécessairement l'étiquette rituelle, euh, mérite peut-être d'être envisagé comme une pratique rituelle. Euh, et que si on l'envisage comme une pratique rituelle, euh, ça révèle euh, des aspects jusqu'à là pas euh, perçus, euh, soit euh, ça, on, on, on le précise comme un type de pratique qui n'est pas simplement fondu dans, euh, dans un. un et un, un, un sort de peau général qui est l'interaction humaine ou euh, la performance euh, au sens euh, Scheschner euh, qui est généralisée à tout. Donc, beaucoup de mes travaux on, 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 on se trouvent un peu dans ce, ce, ce contexte-là. Alors, dans le cas pour les travaux un petit peu de facture euh, canonique classique, euh, c'était vraiment cette option euh, relationnelle. Qu'on a fait avec Carlos Sévry, qui en gros consiste à dire, euh, ce qui compte dans les pratiques rituelles, c'est les relations qui définissent les actions que doivent prendre les gens. Que ces relations sont spécifiques parce qu'elles condensent des modes de relations qui en temps normal sont, sont, sont incompatibles, et que ça, ça instaure un contexte un peu spécifique. Ok. Mais là, le, les, les mots d'ordre sont actions ce qui définissent des relations et des relations qui spécifient par le fait qu'il y a la condensation. Bon. Et tout cet appareil-là, euh, pour moi, dans, mon, dans mes cours, j'introduis ça comme, un, je parle de ça comme un, une, une perceuse euh, super puissante qui peut être à différentes échelles, avec plein d'embouts. Qui me permet de faire plein, plein, plein de trucs. Et grosso modo, avec cet instrument-là, je peux démonter et remonter euh, plein de choses, depuis des montres, des bicyclettes, des ponts de suspension, euh, tout ce qui est relativement mécanique. Donc, la stratégie est toujours la même. Avant de s'interroger sur le type de, de fonction sociale ou psychologique que, que le rituel peut, peut faire, peut avoir, avant de s'interroger sur les significations euh, symboliques que ça peut avoir, on s'interroge de quelles sont les relations rituelles, donc, euh, qui sont mises en acte et en forme au travers le l'accomplissement de, de certaines actions. Bon. Okay. Et puis, encore une fois, ces, ces, ces relations-là sont spécifiques. Alors, tout ce truc-là était... Euh, euh, dans le livre, le, la collection d'articles qui s'appelle le Rouge et le Noir EST, euh, c'est une collection d'articles qui, en gros, euh, c'est tous des articles qui étaient publiés en anglais et que maintenant ont été traduits par Guillaume Rosenberg euh, et avec une traduction très heureuse pour moi qui m'a obligé de, 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 de lâcher un peu de jargon euh, qu'en anglais marche enact. Euh, ou uh, performance, bon, comme ça, de l'exprimer dans un français beaucoup plus, beaucoup plus euh, accessible, et beaucoup plus précis euh, et beaucoup plus contrôlable. Euh, donc, moi, je suis très heureux de, 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 cette, de cette publication. La plupart des articles reposent sur ce paradigme-là. Et pour moi, euh, ce qui reste, c'est un peu le propre de tout le monde. Hein, euh, quand on parle de rituel, on a toujours un sorte de cas exemplaire en tête. La mienne, c'est l'initiation. Donc, euh, en gros, c'est des articles qui touchent plus ou moins à des processus de type initiatique, euh, dans laquelle il y a inévitablement une part de souffrance, une part de, de, de secret, une, des exclus, des inclus, des, des, des passages. Bon, tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas le propre de tout rituel mais qui sont euh, pour moi, disons, des zones sensibles que j'ai je, je tendance à prendre en compte en premier lorsque j'aborde des pratiques rituelles, mais dont les rituels dans le champ dépassent de très très loin, évidemment, les initiations. Donc dans, cette, dans ce bouquin-là, <coughs> ce sont plutôt des, 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 des cas, initiatiques ou non, le bizutage scolaire... Euh, les trucs d'initiation, je suis revenu sur le saut euh, à, à, à plusieurs reprises. Euh, bon, il y a, a d'autres trucs où j'essaye d'explorer cette voie pour aboutir à un article à la fin qui est Qu'est-ce que c'est qu'un rituel Et voilà, c'est ça, un rituel. Bon. Euh, le problème, c'est que euh, euh, je me trouvais confronté à d'autres types de pratiques. Euh, et je, je parle de ça dans un des textes dans, cette, euh, dans ce bouquin mais que je, qui, a, qui ont fait l'objet de d'autres euh, travaux depuis, euh, qui euh, sont des pratiques qui ressortent, qu'on qu rattacherait, euh, aisément aux mouvances new age, aux mouvances de, de paganisme contemporain, euh, le développement personnel, euh, tant de choses qui ont l'air d'être des rituels, c'est-à-dire que on peut leur reconnaître des fonctionnalités sociales ou euh, psychologiques, aucun problème, ça, ça consolide des groupes, c'est permis à des gens de, 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 de se situer dans de nouvelles positions, de nouveaux rôles, aucun problème, euh, qui ont un symbolisme en alors, alors, bagaille, euh, on a, on a, alors, des, des, des êtres surnaturels, ça pullule de, de ça, des conceptions de la personne. Donc, il y a une sorte de, de richesse symbolique, il y a une sorte d'ancrage fonctionnel, et puis c'est des événements euh, auxquels les participants euh, euh, tirent une expérience qui est une expérience qui, qui, qui agit comme une sorte de pierre de touche euh, dans leur vie quotidienne, et c'est ça que font les rituels. Hein. Les rituels, ils, 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 ils ne fournissent pas des expériences ou des réalités qui sont viables comme modèle pour le quotidien. Pas ah ouais, Mais ils deviennent des sortes de références privilégiées à l'onde desquelles j'évalue mon quotidien et ma place et mes relations et compagnie. C'est particulièrement intéressant, les rituels, leur fonction de, de repère, d'autorité comme ça, que les rituels sont construits en partie en raison de cette condensation, de sorte qu'on a un peu du mal à les saisir conceptuellement. Aller accoler à, à, au rituel un sens bien univoque. Donc, en fait, ça reste flottant, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Dans ce Et pourtant, cette, ces actes-là euh, acquièrent une autorité euh, de, pour devenir une référence euh, dans la vie quotidienne sur laquelle on peut maintenant accrocher plein de choses hein, euh, des, des discriminations sociales, des rapports de pouvoir, n'importe quoi. Et c'est vachement utile parce que ces choses-là, on n'a pas besoin de les définir ce que c'est, et pourtant ça s'impose à nous comme une autorité euh, sur laquelle on peut compter. Donc ces trucs, ces types de ritualisation, New Age, néo-païen, développement personnel, avait plein de pratiques qui avaient ces qualités-là, mais qui avaient une petite odeur un peu étrange quoi, euh, et que et qui a fait, et c'est une des raisons, qui a fait que les ethnologues ont totalement négligé ce champ-là. Donc ça m'a beaucoup attiré.